ce matin nous partons en assaut. On a un riz dans la GV, Jenneker, 15 nœuds devant, on est entre 8 et 9 nœuds. Ben, c'est comme si on naviguait dans un grand lagon, 5 mètres sous Black Lion, ça varie entre 3 et 5 mètres, et tout ça pendant 40 000 entre les îles où on était là-bas, Norman's Cay, et Nassau qui est là-bas. Il fait froid, le vent est frais. Quand c'est vient du nord, je crois que je vous l'avais expliqué, ça amène toujours, comme c'était l'hiver sur les États-Unis, ça apporte toujours un petit vent plus fumé. On est de travers et la mer est assez calme, c'est vraiment très agréable de naviguer, franchement, les Bahamas. Je ne vais pas dire ça me gêne, mais la couleur de l'eau, elle est verte, pas jolie, c'est pas très joli. Je préfère le bleu. Il nous reste 13 000. On a fait 32 000 en 4 heures. Black Lion a décalqué la surface de l'eau. Alors c'est vrai, je l'ai poussé un peu parce que bah, du coup ça m'a précipité ce matin, on est parti tard. Des petites priorités à faire là, à Nassau. Donc là je commence à voir les premiers immeubles de Nassau. Alors à mon avis, fini le rêve, fini le paradis. Hein. Ça va... Il va y avoir un grand changement. Hein. Ça fait très très bizarre. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu la civilisation, des immeubles. Bon, on a ce qu'à dire escale technique, même si on n'a pas de problème sur le bateau, mais il nous faut du gaz. Une carte cible. Il nous faut pas du gasoil, mais le gasoil, on va faire le plein maintenant. Ce sera pour la suite. D'ailleurs, les bananes, c'est un truc à prévoir, parce que même si vous n'êtes pas tous des jacouilles, ça peut arriver de perdre son téléphone. Et si vous avez toutes vos applications banque et tout, C'est la merde. C'est la merde. Donc prévoyez bien de tout copier sur vos autres appareils. Parce que on parle bien en bateau. Prévoyez quand même. Parce que c'est quand même un truc important. Ouais, je vais réfléchir à la question, savoir si j'ai changé de femme ou pas. C'est très important. Tu t'en viendras Bienvenue à l'assaut les bananes. Donc je pense que empanage en direct. Nassau est égal à Mikkeland. Bateau de croisière et bateau de croisière. Nous avons ce gros paquebot de croisière qui est en train de partir. Il a sonné trois fois en arrière, c'est tut. Et je me suis dit, ah putain, au moment où on arrive. La passe est juste ici. Je me suis dit, au moment où on arrive, l'autre il s'en va. Impressionnant, c'est monstre. Là-bas, il y en a un, il a carrément le grand 8. On attend qu'il sorte là pour pouvoir rentrer. Je disais à Manchoupi, vous rendez compte, des fois on trouve les passes étroites. Ça paraît chaud, hein, son histoire. Hein, il gère. Hein. Vous voyez ce catamaran là? Il est en train de se faire klaxonner par le bateau de croisière qui arrive dans la passe. Et l'autre il y va quand même comme un fou. Je suis prioritaire. Bon, je mets le moteur, mais je suis prioritaire. Il va très loin le bateau là, tu vois là. Je ne le dis pas. Regarde, de toute façon, il a compris et imperceptiblement il dévie de sa route. J'ai regarde. Plutôt l'impression qu'imperceptiblement il nous fonce dessus là, le bateau. Oh. Oh. Par le pur amour. Mais Jacques, il est plus gros que toi ce bateau, c'est lui qui est prioritaire, c'est logique, non? Mais justement, fou, ma petite chounette, la voile l'emporte sur le moteur. Bienvenue dans un autre monde. Ça me fait un truc à l'estomac là, je sais pas si vous imaginez. On passe de l'île déserte à ça.
pas si vous voyez. Et encore, il n'y a pas non plus les bouchons et tout, mais il y a plein de voitures, quoi. Ça fait trop bizarre. Là, je vais chercher une carte SIM parce qu'il faut absolument qu'on remette une carte SIM dans notre téléphone pour pouvoir avoir accès à nos applications des banques. Ça, c'est vraiment pénible. Choupil est resté au bateau pour surveiller le mouillage s'il est bon. Puis là, je suis toute seule en ville. Première vue, la ville est sympathique. Bon, après, c'est sûr que c'est plus nos îles désertes, hein. Regardez les panneaux de signalisation, comme ils sont mignons. Avec des perroquets, c'est chouette, hein. Oh là là, il y a même le McDo ici. Je vous laisse, hein, il faut que je trouve ma route. Bisous. Et il y en a un qui va bien rigoler, hein. Parce que, ouais, j'ai pris la trace sur le GPS. Sauf que j'ai pris la trace, il y en avait pour 11 minutes. Mais 11 minutes en voiture. Et ouais, donc il me reste encore 1 km à faire. Mais bon, ça va, je me remets, hein. Et voilà ce que ça donne quand on sort des îles désertes et qu'on arrive ici. Nous allons remercier les croisiéristes qui se mettent au vent et qui disent au revoir à Nassau à bord de leur bateau de croisière. Donc ça, c'est une bonne technique. Je viens de la récupérer, il est en train de flotter dans l'eau. Mais à mon avis, si vous partez, il y a 6 bateaux qui arrivent par jour. Si vous mettez juste en dessous avec l'annexe, et ben, vous faites un petit jeu, vous récupérez les trucs qui tombent dans l'eau. Une casquette, hop, pour la jacouille, hein, parce que moi je vais pas la mettre celle-là. Voilà la jacouille qui revient. Quelle rambaille, je vous dis. Quelle rambaille, les bananes. Je viens de faire 3 km. Et sans déconner, on est perdu maintenant. Hein, c'est fou, quoi. Le poumon ne rentre pas dans les cases. Ouais, ouais. Et le fait d'avoir perdu ce téléphone, bah, ça nous fout un peu dans la mouise, quand même. Donc, et prévoyez bien, on vous le redit, les bananes, mettez vos applications sur plusieurs téléphones. Hein. Hello. It's me. Bonne nouvelle, on est arrivé à tout remettre. La journée hier. Bah, c'est du boulot. Hein. Ah, bah, c'est un gros travail. Ne perdez surtout pas vos téléphones en voyage, c'est la merde. Ou alors faites des copies sur tous les téléphones. Mais non, mais il faut un numéro de téléphone, j'ai toujours pas compris le principe. Oui, mais si on avait fait des copies. Non, il faut un numéro SMS, il faut pas perdre le téléphone avec la carte SIM, votre numéro principal où vous avez toutes les vérifications. Ah oui, c'est vrai. Mais si on avait copié l'application. Ça y est, mais c'est que ça recommence, hein. Ça y est, bon, on va visiter Nassau aujourd'hui, on dégage. Allez, on y va. Prévoyez bien de tout copier sur vos autres appareils. Mettez vos applications sur plusieurs téléphones. Ou alors faites des copies sur tous les téléphones. Oui, mais si on avait fait des copies. Non. Mais si on avait copié l'application. Ça y est. Ce qui ne va pas, c'est le flanté de bâton. Le flanté de bâton ne va pas du tout. Le flanté de bâton. Le bâton. C'est complètement différent. C'est la Floride, c'est Miami. C'est les États-Unis. Plus aux États-Unis qu'aux Bahamas. Se cultiver, on va se culturer. Les bananes, on va faire un musée de pirates, ça nous correspond bien. Sur la ça. Piraterie, les pirateries, ouais. Sur les Bahamas. Si vous savez, on nous appelait les pirates quand on avait l'ancien bateau. Vrai ou faux? Many pirates keep parrots.
beaucoup de pirates gardaient des perroquets. Tout. C'était vrai, les bananes. It was very common for pirates and sailors. Attention, vrai ou faux. Vous appuyez. Hein. Les cartes au trésor étaient marquées X. C'était classé X. Eh ben non. Mais non, mais est-ce qu'il y avait une croix, il n'y avait pas de vie. Quelle grosse banane. Eh ben, c'est des cartes de trésor avec une croix dessus, c'est-à-dire que c'était marqué de nombreux emplacements. Mais c'était pas X. Vous pouvez répéter la question. C'était vrai ou faux? Eh ben non, c'est faux. La carte au trésor est une fiction. Les pirates mettaient souvent leurs victimes sur une planche, là, comme ça, vous voyez. C'est faux. C'est une histoire, ça vient des histoires et des films. Une fois de plus. Voilà, encore une fois. En procédure, on se fout de notre gueule. Est-ce qu'il y avait des restrooms dans les bateaux pirates? C'est faux. Vrai ou faux, c'était commode pour les pirates d'enterrer leurs trésors. Commun. Commun. C'était courant. Mais tout est faux, on raconte vraiment des conneries. Ah oui. Ça, c'est des histoires pour pas qu'on cherche les trésors. Regarde, et avec des plombiers. Avec Jacques Gamblin. Jacques Gamblin, et ça va. Voilà, ça, c'est un jacou côté à la traduit en anglais. Vas-y, tu veux y arriver. Attends, c'était quoi commode déjà? Il était fréquent chez les pirates d'avoir une jambe de bois ou un œil qui manque. Ah bah ça c'est vrai. Vrai. Ah oui. Bon, si vous avez besoin d'informations en anglais, hein, vous demandez à Jacouille. Hein. Les bateaux pirates utilisaient le pavillon noir avec la tête de mort. Et les os croisés. Oui, vrai. Bah évidemment, ça date de 1720. Les pièces de 8 étaient des pièces utilisées souvent par les pirates. À quoi ça ressemble? C'est des pièces en argent. Les pirates étaient connus pour torturer leurs victimes. Moi, j'ai dit vrai. Les pirates employaient des choses ingénieuses pour torturer et persuader leurs victimes. Les pirates condamnés étaient souvent pendus. Vrai. Larousse vous propose le dictionnaire Hitchcock consacré au maître du suspense, le Larousse du cinéma et les 100 plus beaux dialogues. Infallible les bananes. C'est pas facile à dépiauter les lambis. Parc d'Atlantis, donc un des trucs les plus touristiques de Nassau. Hein. Très à l'américaine en fait, avec petits magasins, des bateaux de luxe. Donc là on se retrouve un peu tout seul parce que les bateaux de croisière s'en vont dans une heure. On se balade à Atlantis avec nos sacs de tomates. C'est dingue!
pour le fun, hein. On a mis $1 les bananes. Go. T'as déjà perdu? J'ai perdu $1. Bon les bananes, abonnez-vous. Il n'y a plus d'argent. Il y a un lion. Là, il y a un lion. C'est soit qu'il faut jouer. $1 million. Pour le fun la manette. Ah oui, c'est mieux la manette. C'est tout? Ah. Alors, crédit 0. En fait, là, on est dans la fabrication des rum cakes. Ça se fait ici à Nassau, on ne savait pas. On a goûté ça pour la première fois au BVI. On a dit à Saint-Martin. Et c'est à Nassau qui fabrique. C'est super. Et c'est très très bon. Hier, on arrive avec le dinghy. On le met à un ponton. Et puis on se dit, bon, on va lui demander savoir si c'est payant ou quoi que ce soit. Parce que jusqu'à maintenant, on ne payait pas les dinghy docks. La jacouille, elle y va. Et la femme lui dit 27.55 cents. Combien vous avez dit, Madame Janvier? Sur les 50 cents. Eh oh, il n'y a pas marqué Rothschild ici, hein. Il n'y a pas marqué Jeff Bezos. Hein. Non, mais c'est parce qu'il y a plein d'Américains. Il y a plusieurs magasins à Nassau, Super Value, des magasins grossistes. Vous pouvez acheter en gros pour le bateau, des fois c'est pas mal. Mais quand on avait fait un gros plein et qu'après nous on va rentrer sur. On vous a pas encore dit où, mais on va y rentrer. Vous savez que j'ai encore des œufs de République Dominicaine. Oui. Ça fait presque 2 mois là. C'est surtout fruits et légumes. C'est pour ça que la jacouille, elle se prépare. On dit on prend la chariote, on prend les caddies, on va prendre le container, on sait jamais. Ah, c'est pour pas se casser le dos. Mais monsieur veut se casser le dos. Alors je laisse se casser le dos. On ne fait pas les courses du mois, madame. Fruits et légumes, c'est lourd. Ouais, bah, c'est donc si je prends 2 kilos d'oranges, c'est pas grave. Vous voyez, par contre, hier, on a acheté les tomates. On est tombé sur une petite dame au bord de la route. On n'hésite pas. 2 euros les tomates et on a trouvé des piments. Et on n'a rien dépensé pendant presque. Presque voilà, 2 mois. On pourrait faire sans, c'est juste qu'on complète de fruits et légumes. Fruits et légumes, ça fait du bien manger les fruits et légumes. $245, on a de tout. De la salade, des tomates, de la viande, poulet, tout ça, c'est beaucoup moins cher qu'à Long Island. C'est la seule chose qu'on a dépensé depuis que nous sommes presque 2 mois aux Bahamas. C'est ça, hein. Ouah, les bananes, je viens juste de rentrer, Choupi vient me déposer. Attendez, on va essayer de le voir là. Oh là là. Il y a un coup de nord qui vient de commencer. On était invité chez des amis. Ben on est rentré parce qu'il y a des bateaux qui étaient en train de chasser. Regardez un peu le mouillage dans l'état où il est. Et Choupi, il est devant. Ouh, ouh, non, je rentre, il pleut. C'est, on a laissé le copain sur notre bateau qui est en train de, qui l'a aidé. Donc là, il va aller le rechercher. Ouh. Eh ben. C'est en direct, ça se calme un peu. Ah, putain de bordel. Rafale à 30 nœuds. Ça s'est levé, ça s'est levé, ça s'est levé. Normalement, ça va passer là, d'ici 20h. Et il y a un bateau qui a chassé. Et il a fallu aller à la rescousse, quoi. Oh le bordel. Je vais me rincer tout comme ça, je suis tout salé là. Bah, le mec il était content, hein. Le mec, il, sa chaîne était bloquée, il était tout seul, il perdait son bateau. Hein. Je me rince là, directement avec le G. Tu prends un petit robe là. Ouais, je te prépare ça. Nous assistons à un baptême salé. À Nassau. Alléluia. Au début, je croyais qu'il faisait une photographe. Je veux dire, elle est mouillée. Je croyais qu'il disait, elle est mouillée. Mouillée. Et moi, je dis, non, on ne dit pas elle est mouillée. On dit, elle est mouillée. Elle est mouillée. Elle est mouillée. Ouais, c'est bon, je rigole. On va avoir la rigoler de tout aussi. Hein. Et regardez le plan d'eau par rapport à hier.
Vous voyez la différence, la vitesse s'est levée, pourtant c'est bien fermé, hein, mais ça a été chaud. Et le gars là-bas, le bateau Fox, il peut nous dire merci parce qu'on lui a sauvé son bateau. Hein. Ça a été de justesse. Hein. Et nous, on est contents de la Rocna qui a quand même pris. D'habitude, on l'aurait chassé parce que c'est de l'herbier. Et la dernière fois, je suis allé voir parce que j'avais un doute. Les amis, ils ont chassé, alors qu'ils n'avaient jamais chassé avec leur bateau. Et je suis allé voir et il y a des tranchées, il y a des sillons partout au fond de l'eau. Nassau, attention, be careful. Ça dérape, ça dérouille, ça décape, hein, ça décolle. Ça suffit. Tu m'emmerdes. C'était pas un Timoni que je cherchais. Voilà en ciseaux, Shoemaker, Fock. L'important, après ce méchant coup de vent d'hier, nous partons complètement à l'est de Nassau. C'est à voir, Nassau, c'est à voir. La côte est jonchée d'hôtels. On a l'impression que c'est un jeu de Monopoly. Regardez. Voilà. J'achète la rue de l'Atlantis. Et là-bas, il y a une belle épave, plus grand statue aquatique au monde, Atlas. On va ranger le Jellicoeur. Alors comment faire, puisque la grand voile n'est pas mise à poste et le vent s'est levé. On va mettre le foc pour le déventer. On arrive dans un bagu humide. C'est bien couvert les bananes. Il pleut. Oh mais c'est le sacré rafale. On est bien content d'être arrivé. Ouais. Ça risque rien de lâche là. Ce matin, c'est plongé. Quand la jacouille sera prête. Vous les femmes, nous pauvres diables. Plutôt fini de râler. Donc, on va se lever. Mimi. J'arrive, je suis là. J'arrive. Je vous fais une petite compilation de tous les j'arrive, j'arrive, où je l'attends toujours. Et une petite compilation de c'est possible. Toujours en train de râler. Et une compilation aussi de toujours en train de râler celui-là. Il y a d'autres compilations que je dois faire ou pas? Je sais pas quoi dire là. When you were born, your mama said, the Lord bless you and keep you, and everything that you do take heart. When you were eight, your daddy said, never take your life for granted. Believe in second chances, my love. When the world spins badly on, remember that you belong. You are strong, you are brave, you are all you meant to be. Everything you ever dreamed came true. When you laugh, when you cry, I'll be always on your side, and thank God for you. C'est un parc, on s'arrêtait au bord de la plage. Alors je n'ai pas réussi à trouver cette épave, j'ai tourné, je comprends pas. On nous a dit qu'il y avait une épave. Et impossible à trouver. Ah, il y a des ruines. Ce sont des ruines. Donc on va pas demander à Jacouille de traduire évidemment, parce que ce serait une mauvaise traduction. Le frère de la loi. Non, his brother in law. Son frère dans loi, je sais pas. Woods ground included in the deep water anchorage of the cliffs where ships moored to load and unload with cargo by 1800. Tout à fait. Attends, il y en a d'autres des panneaux là-bas. Ah bah oui, mais si on sait pas le lire, ça sert. Au Clifton Heritage National Park. On peut prendre des photos, marcher, pêcher, observer et nager. Ici, ils ont retrouvé un village
du 18e siècle. Et ils ont retrouvé des petits bouts de poterie. Donc c'était un site historique en fait là où nous sommes là. Est-ce que vous avez vu donc la plantation de coraux? C'est bien parce que la Jacouille il avait fait des recherches, elle me disait sans arrêt, ouais ici ils replantent les coraux. Ça, alors ils les mettent en culture, ils les font pousser sur, comme tu as dit là, là-dessus. Ensuite ils vont les récupérer, ils prennent des petits morceaux et ils vont les recoller sur le corail vivant. Enfin, sur des roches. Et voilà, et ça repousse. Un écosystème très très fragile. Il faut faire très attention quand vous palmez, quand vous accrochez, ne jamais s'accrocher aux coraux. Moi, quand je vais sous l'eau, j'essaie toujours d'attraper des petits morceaux de roches pour ne pas abîmer le corail. Et donc ça, c'est un travail de longue haleine. Il va falloir des années, mais il faut que le tourisme fasse très attention à ne jamais s'accrocher à ces coraux, sinon... c'est plus facile à casser qu'à replanter et à repousser. Voilà, donc voilà une ruine. Tout à l'heure, nous allons aller errer dans un hôtel abandonné. C'est un riche billionnaire. Alors, c'est un milliardaire. Non, billionnaire. Non, milliardaire. Billionnaire. Alors, dernière fois, j'ai dit milliardaire, tu m'as dit billionnaire. Là, je te dis billionnaire, tu dis milliardaire. Milliardaire. Ah, si, si. Qui a fait cet hôtel. Alors, d'après les recherches, mais bon, vous savez, il faut faire attention aux rumeurs. Mais bon, d'après ce que j'ai lu, il a été abandonné parce que ce gars-là, il aurait... Un petit snack, et c'est assez surprenant ici aux Bahamas parce que c'est pas très cher. Hein. 12$, 14$, grilled fish, chicken, 10$, c'est ça, c'est correct. Et puis là, ça a l'air d'être entretenu par contre. Bon, bah, il y en a un, il s'est échoué il n'y a pas très très longtemps là. Il n'est pas très longtemps qu'il est sur le reef. Il a perdu le safran. L'hélice est toujours à poste. J'espère qu'ils n'ont eu aucun dommage corporel, car à l'intérieur il y avait un siège bébé et il y a les petites peluches qui sont posées là-bas. Là. Nous on y pense tout le temps, hein. On n'a que ça, nous, c'est que notre maison. On peut avoir fait des années de navigation, et ben il suffit de rien. Un dérapage, un bateau qui fonce dessus, un gros coup de vent comme l'autre jour, et c'en est fini de votre voyage, c'en est fini de votre aventure. Laisser voir de la plage, on n'a pas pu rentrer, hein. Ça devait être magnifique. Apparemment il est fermé depuis 2 ans, des gardiens qui surveillent. Bon, il nous a proposé de le visiter en payant, hein. On est resté sur la plage pour voir un petit peu les sculptures. C'est vraiment c'est fait avec goût, hein. C'est très joli. Ça devait être un très très bel hôtel à l'époque. Il y a dans l'eau là. Il y a un truc blanc dans l'eau. Ah, un morceau de gouttière. C'est les vis qui se sont dévissées? Ouais, les vis. Il faut que je fasse un lacet en époxy. Là, je préfère ça là. Donc j'ai mis des boulons et j'ai cassé un peu le bossoir dessous là, l'enduit. Ça va le faire. Je veux, voilà, je veux, exactement. Et là, toc, 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 et hop, c'est grillé. On devait partir un peu plus tôt que prévu, demain, mais non, on reste là. Les amis vont arriver de l'autre côté. Mais t'as pas parlé d'Andros tout à l'heure? Andros. C'est fort des fruits. Une rencontre d'il y a longtemps en arrière. Cette rencontre, elle a quand même quelque chose dans notre vie qui est quand même assez importante. Oui. C'est que les personnes que nous devons revoir... Ben, c'est eux qui nous ont donné aussi le petit déclic de Tour du Monde. Et puis
Et puis, c'est quand même les parents de l'ex de Jonathan. Ça, c'est la mère qui est un peu... il n'est pas content, là. Eux, ils n'ont rien à voir là-dedans. Bah, et ce sont les parents de Claire qu'on se connaît depuis très très longtemps. Claire et Jonathan, ce sont leurs histoires. Les parents et nous, ce sont notre histoire. Et oui. Une histoire de bateau, une histoire de voyage, et une histoire d'aventure, fait... une histoire de... J'ai envie de dire comme ça. Ça fait non, mais 15 ans. En fait, on ne les a pas revus depuis 15 ans. C'est bon, elle a envie de parler. Alors, on t'écoute. Allez, vas-y. En fait, ça fait 15 ans qu'on ne les a pas revus. C'est dingue. Voilà. Ce qu'on appelle le monologue du vagin. Qu'est-ce que tu racontes, quoi? Ah non, c'est juste pour couper la parole, oui. C'est ça? Oui, j'aime bien. Donc la parole est coupée. On vous la coupe. La banane. Le Choupi est parti avec sa flèche bahamienne pour. Il a vu un poisson lion. Et ce qui paraît que c'est super bon, on n'a jamais osé les pêcher. Ah voilà, il est en train de charger sa flèche. Mais c'est la première fois qu'il essaye sa flèche. On va voir s'il va y arriver. Il faut faire super gaffe avec les épines du poisson lion. Mais c'est un poisson qui ne bouge pas, donc il doit être assez facile à attraper. Et c'est un envahisseur, donc il faut faire... même si on les pêche, du coup, apparemment, c'est bien d'empêcher parce que c'est un envahisseur. Il y en a énormément. Ah, ben voilà, ben, c'est notre premier poisson lion. J'ai pris la pince comme ça. Donc là, il faut lui couper les épines. Parce que c'est hyper, hyper venimeux. Hein. T'as un petit poisson devant ton masque. Ouais. Ah, hop, il va remonter. On va goûter ça ce soir parce qu'on n'a jamais goûté. C'est un beau poisson. Hein. Ah, c'est d'une calamité. C'est ce que j'étais en train de leur expliquer. Apparemment, c'est une calamité. Ça vient de Floride, non? C'est en train de peupler tous les océans et ça n'a aucun prédateur. On est invité à... Voilà. Aller pêcher, donc il faut couper, tu peux passer le... Tiens, et il semble que ça soit très très bon. On n'en a entendu que du bien du poisson lion. En goût, hein. Et ça doit, je leur disais, ça doit pas être très très compliqué à pêcher, parce que c'est pas un poisson qui bouge beaucoup, hein. Ta flèche, c'était comment à charger, parce que du coup, t'as pas montré? Je montrerai une prochaine fois. Oula, fais attention, hein. Oui, c'est quand même un peu... C'est dangereux quand même, hein. Est-ce qu'on peut mourir d'une piqûre comme ça? Oui, quelqu'un de fragile. Putain, mais c'est chaud quand même, hein? Ouais, faut faire gaffe, hein? C'est la première fois hein, qu'on fait ça. Ouais, c'est la première fois. Oh là. Black Lion a besoin d'un petit réglage de rebond. Ça fait très longtemps que je ne m'en suis pas occupé. Et aujourd'hui, on s'occupe de ça. La jacouille me monte en haut du mât. Le petit rire avait une connotation sexuelle. Ça s'appelle un tensiomètre. On a payé ça 50 balles. Donc, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. C'est calibré et ça donne la tension du hauban approximative. Mais ça marche très, très bien. Et je règle les haubans de Black Lion que comme ça. Ça se trouve sur le site SVB. C'est un site qui est allemand. Je profite donc de monter au mât parce que le plan d'eau est idéal pour ça. Il n'y a pas trop de vent non plus aujourd'hui. Ils se sont détendus depuis la Thaïlande. Celui-là, il va demander à être serré. Je m'étais fait un petit dossier une fois grâce au site que je vous disais. C'était espar.com, je crois. Je mettrai ça sur la vidéo. J'ai marqué toutes les tensions qu'il fallait. Chaque hauban, bas hauban et pas l'été parce que l'été, il est tendu lui-même. Il c'est une distance qui est fixe dès le départ. CDR, c'est la charge de rupture. Pour 8 mm, voilà, c'est 5 tonnes 3 à 5 tonnes 7. Donc, j'ai fait ça à Brisbane. J'ai ça, c'est réglage officiel. Par rapport à chaque hauban et bas hauban. Ils sont codés B1, donc B1 c'est le hauban, voilà, c'est le bâbord, le tribord, donc de toute façon c'est la même tension. T1, T2, B4 et T4. B4, donc c'est 7 tonnes 125 en haut. Une fois que je suis en haut, il ne faut pas que je me dise ah merde, j'ai oublié quelque chose, j'ai oublié un tournevis, j'ai oublié une clé. Donc voilà, tout préparé dans un seau. Tournevis plat. Tournevis plat, mais un petit pour qu'il puisse rentrer dans le ridoir. Mon tensionnette de chez SVB. Une grosse clé à molette, une petite clé à molette. J'ai pris de la graisse silicone, du double D40. En premier lieu, on va dévisser d'un tour ou deux les haubans pour donner du mou, pour que je puisse régler en haut. Il me faut évidemment la chaise de mât. Prenez pas de la camelote en chaise de mât, prenez une chaise de mât de qualité. Votre vie quand même est en jeu. Alors, je détends le Jennaker pour éviter de fausser les mesures de tension, puisqu'il tire quand même sur le mât. Donc je vais le détendre un tout petit peu. Je fais un marquage
là, ici, je sais que lui, il est le long de la filière comme ça, et j'ai marqué un tour. J'ai marqué pour me souvenir que je dois desserrer d'un tour, pour le détendre un tout petit peu. Je retire les goupilles. Un tour. C'est impressionnant comment ça se détend de suite, regardez. On desserre dans le sens des aiguilles d'une montre. Et voilà, donc en haut, je vais retendre à 7 tonnes, combien j'avais dit, 7 tonnes 25. Voilà. Donc ma vie est entre les mains de la jacouille. Je commence par m'installer correctement sur ma chaise. Ouais. Donc les premiers mètres, c'est là que vous vérifiez quand même que tout va bien sur la chaise. Vas-y, attends, il y a les vagues du bateau moteur qui vont arriver là. Le Jenniker est en train de se faire bouffer là. En haut, je sais pas si vous voyez. Ça, le top là. Il y a un électrolyse qui se fait, c'est un truc de fou. Donc ça c'est un système que j'avais fait. Et ça s'est desserré un tout petit peu, les vibrations. Donc j'en profite pour resserrer tout ça. On vérifie les cadènes. Toujours vérifier les cadènes. Les goupilles. Une petite goupille là. Ça s'est fermé. Les boulons de cadènes transversales. Ceux-là. On voit qu'il n'y ait pas de micro-fissure, vous voyez, ici. Donc ceux-là, je les avais changés en Thaïlande. Donc normalement, ils sont bons pour 10 ans. Ouh. Ok, aucune fissure apparente. Ok, tout est correct. De toute façon, j'ai le saut là, bébé. Les manilles. Elles sont bonnes. Ok. Ouh, un beau point de vue là. On va descendre jusqu'au pour le réglage des diamants. Encore. Ok, stop. Stop. Ok, on vérifie si tout est ok là. Okay, on va aller voir sur la barre de flèche. Barre de flèche, c'est bon. Et l'autre barre de flèche. Encore un peu. Stop. Alors, même topo. T'aurais une idée, bébé, là? Là, pour remplacer ça, là, ici, là. Attends, j'y suis là. En haut, il y a une petite boule en téflon. Voilà, c'est calibré. Vous avez du diamètre 8, du diamètre 9 et du diamètre 10. Donc, ce qui nous intéresse, c'est le 8. Vous le mettez que le 8 apparaisse. Ensuite, ici, vous avez un petit ergot et un ressort. Il faut que cet endroit-là, ici, du hauban, vous voyez, là où il y a marqué 8, ça se mette contre le hauban et que l'autre ergot soit en sens inverse. Quasiment pareil, non, c'est bon, putain, mais ceux-là ils ont pas bougé, donc c'est surtout les extérieurs. Comme j'ai dévissé d'un tour, je vais faire trois tours. Donc on va serrer dans le sens inverse des aiguilles. Et là je vais faire trois tours. Un tour, on va y aller progressivement. Trois tours, là je fais trois tours. On va faire trois tours de l'autre côté. Putain, comment c'est noir. Trois tours. Alors lui, je crois que c'est 10 tonnes et quelques. Faut que je regarde sur mon papier, mais il me semble. Le hauban.
10 tonnes 35. Je peux faire encore un tour, je pense. Je fais 10 tonnes, je vois là si le mât est rectiligne. Faut que je fasse encore un peu par là. Le mât il part sur le bâbord. À demi-tour. C'est pas mal. Elle m'a supplié. Mais c'est pas rien. Parce que sinon j'arrête tout. J'appuie sur le bouton off de la GoPro et j'arrête tout. Tu veux pas me filmer en train de faire la cuisine? C'est un signe. Que dis-je? C'est un canard. La GoPro s'est arrêtée. La jacouille sans moi. 3% aussi. Mind-toi le cul. Oh mais merde, c'est quoi ce bordel? J'arrête tout. Troisième GoPro. On va y arriver. Filmer les bananes. Non, quand ça veut pas, ça veut pas. Oh, filme-moi pour faire la recette du poule. Il a pêché un petit poulpe tout à l'heure, Choupi. Ouais, je pensais qu'il était plus gros que ça, ouais, parce que les coquillages, ils étaient plus gros que lui, dis donc. Regardez ce qu'il y avait devant son trou. Il est beau, hein. Il est beau celui-là. Il est magnifique, même d'ailleurs. C'est un casque, un petit casque. Et bien, c'est lui, c'est regardez, à côté. Bah ouais. Moi, j'ai vu une tentacule et je me suis dit, putain, il est énorme. Et quand j'ai tiré, bah, il était pas très gros. Bon, bah, on va quand même le manger, hein. Il bah est mort. Oui, je vais faire une petite fricassée, un truc comme ça. Hein? 3, 4. Avec Jacouille, la fribouille, on ne mange pas que des nouilles, que des nouilles. Et c'est bon, elle est contente, elle va faire sa recette. Eh, n'empêche, eh, 183 abonnés. Mais que tu racontes, j'en ai 811. 811 811 abonnés, merci mes petites bananes d'amour. Ouais. Sur Black Lion, on est presque 11 000 abonnés. Donc faites du plaisir, abonnez-vous, ça ne coûte rien, c'est gratuit, c'est pas cher, vous avez juste à être abonné et elle sera contente. Elle sera contente, regardez. Elle est contente. Oui c'est vrai, je serai content. C'est pas compliqué, vous allez sur les recettes de Jacouille, vous appuyez sur abonner, vous activez la cloche, et puis voilà, elle sera contente. C'est vrai, ça me fait plaisir. Même si on ne vous regardait pas, c'est pas grave. Allez, dépêche-toi, parce que moi j'ai. Voilà. Je vous laisse 2 minutes pour faire cette recette. Alors le poulpe on l'a fait bouillir dans la cocotte. Combien? J'ai fait un quart d'heure. Un quart d'heure, 30 minutes. Oignon, poivron. Oignon vert, tomate, petit vin blanc, un peu de citron. Ah, le petit vin blanc, tout. Eh ben oui, il faut que j'aille chercher ma poêle. Ah, poêle jacouille. On a fait chauffer l'huile d'olive dans la poêle des bananes. Je mets mes petits oignons. Ah, t'entends? T'as vu la dernière vidéo, toi? T'as vu que ça clipitait pas? Ben, j'ai pas coupé de garlic parce qu'on nous a donné ça. Oui, la dernière fois. L'autre jour, oui. Alors du coup, je vais utiliser ça. C'est du garlic, ça. Ah, ouais. Ah, ça fait bizarre, l'odeur. Ça fait bizarre, hein? C'est une odeur de... d'ail écrasé. C'est ça, exactement. Les poivrons. Donc, on va goûter le poisson lion aussi. Oui, on va faire le poisson lion. Ben, ça, on va le faire juste à la poêle au beurre. Ouais, au beurre, qu'on goûte, beurre. Voir si c'est si bon que ça. Je mets mon petit pouce. Déjà? Mais ça m'aime, tu m'aimes pas. Écoute, s'il te plaît, hein? Oh, hein? Quoi? Oh, hein? Ok, tiens, prends la caméra. Ah voilà, voilà. Allez. Avec Jacouille après pouille, ça me casse les couilles, moi. Et bien, prends je la caméra. Mets les oignons verts. Oui, vas-y. Oignons verts. Ça va être vite fait. Vite fait, vous allez bien. C'est... Elle a pas fini de tirer sur la nouille. Sur la nouille. On met les tomates. Mais tu mets tout? Oui. Je mets un peu de poivre. Mais t'as trop mis le poulpe, faut les mettre après. Il était déjà... Mais, hey, s'il te plaît. Pardon? Tiens. Non! Non! Mais tiens, arrête! Prends ta main! Mais tu sais pas comment. Laisse-moi faire! Là, je mets de la persillade. Un peu de persil. Un petit peu de poudre de colombo, mais pas trop. Et un peu de sucre en poudre! Eh, hey, ça faisait longtemps ça! Et ça aussi, j'ai cuit, ça fait longtemps, je peux faire la tête de j'ai cuit, ça ne bouge pas! Arrête! J'ai mis un peu de colombo, vous avez vu? Bah non, ils ont pas vu puisque t'as pas fait. L'inspecteur? Filmé. Non, ça rigole à cette bague merdique. Ma femme disait toujours mettre du colombo dans la poêle. Un peu de citron. Et mon rhum? C'est comme t'as bu ton rhum, du coup je récupère le citron. Ah non, mais je reprends un rhum après moi. Ah bon? Oui. D'accord. Parce que je suis un peu en stress moi. Mais t'as fini un peu? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de l'huile d'olive? Mais tu me rends mal. C'est du vin blanc. Puis on va laisser mijoter, je vais rajouter un petit peu d'eau. Un petit peu. Avec le vin blanc? Ouais. Mais pourquoi beaucoup. Alors qu'il y a du vin blanc? J'en ai pas mis beaucoup. Pour adoucir, je baisse le feu et je vais mettre un couvercle. Toi, tu baisses le feu, et ben moi, je baisse ma femme. Tu vois? Je baisse ma femme. Évidemment, il y a un S supplémentaire. J'ai mis en vrai, c'est son sel qu'on raconte pas. Alors, enfin, oh putain. Non, je vais mettre ça parce que j'ai avec pas de couvercle. Couille à fripouille, ça me casse trop la couille. Voilà, c'est bien ça en couvercle.
je l'utilise plus celle-là. Épisode numéro 3, regardez ces vidéos précédentes, alors ceux qui nous suivent, ils ont envie de comprendre que ça veut dire ça aussi. J'ai un coup la fribouille. Le poulpe et le petit poisson, c'est prêt. Je crois qu'on vient de trouver un point négatif aux Bahamas. On est sûrement dans l'endroit le plus dégueulasse des Bahamas qu'on ait jamais fait. C'est un parc, c'est des chiottes. Parc, et puis il y a du papier toilette tout le long. Hein. Des bouteilles, des poubelles, c'est dégueulasse. L'entrée du parc était payante. Je pense pas que ce soit encore payant parce que. C'est complètement abandonné. C'est abandonné. Le parking est entretenu. Il n'y a que le parking qui est entretenu. C'est ce qu'on vient de découvrir. Au bord de la route. C'est un portefeuille qui a été volé et puis on va essayer de déposer à la police. Il y a les cartes bleues et tout, il n'y a plus d'argent dedans, mais je pense que c'est un truc qui a été volé. Si on peut les déposer quelque part. Comment on dit, cartésien? Moi je crois en ce que je vois, je suis comme Sainte-Antoinette, celle qui s'est coupé la tête. Évidemment, c'était un piège. Tous les jours, ça fait des jours et des jours, à chaque fois que je regarde ma montre, à chaque fois que je regarde sur l'iPad l'heure, il est toujours 11h11. Tout le temps 11h11. Et je me dis, tiens, c'est dingue le hasard. Je me dis, tiens, mon cerveau, il se calibre sur ce moment-là. Et puis, je disais rien à Jacouille quand même, parce que comme je suis quelqu'un de cartésien, je n'aime pas parler de ces trucs-là. Ouais, mais je sais pas pourquoi je vous en parle. En fait, il voulait pas m'en parler parce que c'est le truc qu'il allait lui mettre la honte. Bah, sinon, j'en parlerai pas. Oui, maintenant, tu vois. Mais la théorie de merde, bon, c'est pas grave, on passe à autre chose. Et je fais jamais ça. Je me dis, je vais quand même aller voir sur Google, parce que Google, il sait beaucoup de choses. C'est Nostradamus à côté de Google, c'est pipitcha. Le chiffre 11, c'est que du bonheur, c'est que de la chance et tout. Ça, donc, moi, j'y crois pas, mais là, j'y crois. Bien, vous allez voir, le chiffre 11, c'est très bon signe pour moi. Et c'était marqué que peut-être vous avez changé de femme dans mon horoscope. Coucou, moi, Choupi. Oui. Choupi est en train de faire des vidéos. Oui. Parce qu'on reste là depuis 2 jours. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de vent, je ne sais pas si vous entendez. Oui. Du vent. Et on reste protégé. Oui. Avant d'aller se promener. Oui. Et du coup, on s'occupe. Et puis là, je répare les gants de mon Choupi. Parce qu'on ne va pas racheter. C'est encore bon. Tu n'as pas l'impression d'avoir la même mal formée. À de ma gauche, pauvre fille. Ouais. Beau travail de la jacouille, ça peut encore faire un an. Le temps de réaction d'un cerveau de jacouille. Elle essaye de m'aguicher. Alors que je suis en train de poncer la porte de la salle de bain sur le bois, sur le dessus, et elle arrive nue comme un verre aux abords, au battant de la salle de bain. Que moi je ponçais le dessus de la porte parce qu'il fallait pas très très bien, il manquait un demi millimètre pour que je ponce au dessus pour qu'elle puisse fermer. Donc je fermais, je l'ouvrais, je fermais, je l'ouvre, c'est une tradition chez Black Lives. Sauf que moi j'avais pas vu qu'elle avait mis ses doigts. Vous voyez, les doigts dans la portière. Puis je vois que ça force un peu, je dis maman, j'ai bien poncé, mais là j'ai couillé comme ça. Et à un moment, je comprends, avant elle quand même, hein, même si j'ai mis un peu de temps, je comprends avant son cerveau qu'elle a le pouce coincé dans la porte. Et au lieu de crier, au lieu de retirer son pouce, non, elle est comme ça, elle est dehors, on est là. Ça m'a coupé le souffle, regardez. Ça fait mal. Voilà. Salut! On a plein de bananes qui viennent nous voir. Salut. Je suis en train de contraindre un enfant à s'abonner à ma chaîne YouTube. Les recettes de jacouille. Abonne-toi. Abonne-toi. Et deux cuisiniers. Deux cuisiniers. Un cuisinier, un pâtissier et chocolatier. Attention. Est-ce qu'ils sont abonnés? À la page Jacques. Ça y est, il s'abonne. Bientôt. Je te fais même un push sur ma page Facebook. Ah, je m'abonne. Ta gueule. Regarde. Tu trembles. Il tremble. Il tourne. C'est bon, c'est fait. C'est fait. Demain, 28 000 direction les Berries. Les Berries, on se rapproche de la Floride. On se rapproche des Bimini. Lundi, on va partir vers 8h. Il va y avoir du 15 nœuds est-nord-est. Mais nous partons au nord-ouest. On devrait l'avoir en dessous
du larg. La couleur est verte, c'est du 15 nœuds établi et c'est pas des grosses rafales, vous voyez. On va traverser comme ça. J'ai préparé un petit leurre pour qu'on puisse pêcher. Et nous partons ici. Cette île est privée, on n'a pas le droit d'y descendre, a priori. Mais tout le monde va à Chopquay. Mais Chopquay, j'ai pas trop envie d'y aller. Et on devrait retrouver des Québécois, normalement, dans cette zone-là, d'ici deux jours. Nous sommes le 24. On les retrouve quand? Le 26, le 27, c'est ça? Le 27. On se dit à demain pour une navigation, hein, au petit matin. Donc, ne couchez pas trop tard, lavez-vous les dents, lavez-vous les fesses aussi également, c'est très important. Hein, qu'est-ce qu'il y a? Donc voilà, toi on parle de cul, ça y est, ça te fait rire. Moi, n'importe quoi. Oh, bah, ouais, tout le monde t'a vu, tu vois, c'est pas n'importe quoi, tout le monde t'a vu. Soyez sages les bananes. Soyez sages, et on se dit à demain pour une belle navigation. Bonne nuit, petit. Bien, dis donc. Évidemment, la mémoire de la famille, c'est qui? C'est moi.